Pourquoi j'ai choisi comme thème les confettis numériques? Alors, il faut bien comprendre que c'est une expression qui a été créée par Michel Lorassac en 2018. C'était la circulation d'informations brèves, à la fois sur les téléphones, sur tous les réseaux numériques. Et j'avais été très passionné parce que nous vivons dans le fond, dans une société d'informations brèves. Alors, je me demande si les emojis, c'est ça, font partie de ces informations brèves. Moi, je place toujours, non pas dans celui qui émet, mais dans celui qui reçoit. Hein. Je suis toujours un apprenant. Je n'ai pas du tout l'impression de pouvoir être un enseignant patenté. J'ai toujours beaucoup plus appris de mes étudiants que moi-même j'aurais appris. Et là, je veux signaler quelque chose d'important qui a été signalé, c'est qu'il est très difficile à l'époque à laquelle j'enseignais encore, c'est-à-dire il y a 40 ans ou 30 ans, il était très difficile de faire comprendre que pour former des enseignants, il fallait d'abord et aussi les former aux sciences politiques. Ça, c'est pour ce qu'a mis en évidence Jean-François Savelier. Alors, le confetti numérique, c'est quelque chose qui circule en permanence, à la fois à l'école, puisque nous étudions, nous envoyons toujours des messages de plus en plus brefs aux enfants, aux élèves, nous leur donnons de plus en plus de consignes courtes. Donc, je pense que c'est au centre d'une question éducative. Pourquoi introduire la notion d'hybridation? C'est parce que quand on réfléchit, qu'est-ce que c'est qu'une information brève? C'est quelque chose qui marque le cerveau, c'est-à-dire c'est une marque mnésique, simplement. Et nous, qu'est-ce qu'on va essayer d'en faire? On va essayer de lui donner un sens, d'en faire un travail sémantique. Mais en faisant ce travail sémantique, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'éliminer toutes les autres possibilités qu'il y avait dans la trace mnésique. Et donc, je pars bien à la question de cette question où, à un moment, on est dans une analyse de type psychique à une analyse sémantique et uniquement linguistique. Et là, cette question d'hybridation, c'est-à-dire de passage d'une notion à l'autre, je voulais simplement la poser. À propos de cette notion des informations extrêmement brèves. Alors, pour vous dire un dernier mot, j'ai une de mes filles avec qui j'essaie de converser par téléphone et elle m'envoie que des petites emojis. Et bien, je me trouve très frustré. Et là, je trouve quelque chose d'extrêmement important au niveau éducatif, c'est qu'il ne faudrait pas que ça brive, que ça nous supprime la parole. Et le danger, et c'est là le danger de l'hybridation, je le signale bien au niveau de l'hybridation entre les traces psychiques et les traces sémantiques, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on supprime la parole. Merci, cher ami. Merci à vous. Merci à la parole.